Bonjour Younif, pourriez-vous vous présenter à nos auditeurs? Bonjour, je m'appelle Yunib sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Bah, je suis une Coréenne illustratrice qui est tombée amoureuse de la région Bretagne et la France. Alors merci. Dans vos vidéos, vous abordez une variété de sujets, des différences culturelles aux défis administratifs tels que l'obtention du titre de séjour, ainsi que des aspects du quotidien en Bretagne, là où vous vivez. D'où puisez-vous l'inspiration pour vos sujets de vidéo et comment est-ce que vous les illustrez dans vos vidéos courtes, style TikTok et Instagram? Ben, c'est vraiment dans mon quotidien que je puise mon sujet. Ben, par exemple, comme vous avez évoqué, ben, le renouvellement de titre de séjour, ben, ce que je fais à chaque année, ou sinon le repas avec les amis, ou la nouvelle rencontre, ou la visite de d'autres villes ou d'autres endroits. En fait, bah, depuis un an, depuis que je suis retournée en France, bah, j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à prendre la photo et faire des vidéos pour garder toutes les traces des moments que je vis ici. Donc, en fait, bah, habituellement, je prends toujours la photo, bah, même si ça a l'air un peu insignifiant ou ça a l'air pas très important pour le moment. Mais quand même, j'essaie de garder tous les traces possibles. Et ensuite, en fait, j'écris en regardant mon album photo, j'écris sur ces moments que j'ai vécu déjà en regardant la photo. Et après, à partir de ces écrits, en fait, je transforme soit en dessin ou soit en vidéo. C'est comme ça que je fabrique, je fais mes vidéos et les dessins. Du coup, dans vos vidéos, vous parlez beaucoup des différences culturelles entre les deux pays, la France et la Corée, tout ça avec humour. Quelles sont les différences et aussi les similitudes, qui vous ont le plus marqué? Bah, en fait, j'avais beaucoup réfléchi sur la similitude, mais au final, j'avais pas trouvé une similitude exacte parce que je pense que ces deux pays sont vraiment différents culturellement, parce que déjà, la façon de penser, la mode de vie, je pense que c'est très, très différent. Par exemple, récemment, il y a une semaine, j'ai fait une vidéo sur justement sur la différence entre la Corée et la France. Donc je parlais de vise, bisous de la France. Par exemple en France quand vous faites salut, naturellement vous faites bisous comme ça. Mais pour les Coréens en fait, pour les Coréens qui savent pas faire, qui savent pas trop le vise, la notion de vise, bah, en fait pour nous c'est un peu embarrassant. Ça peut être très embarrassant. Mais du coup avant-hier, lundi, j'étais en train de faire l'apéro avec mes amis français et on a parlé, on a commencé à discuter sur ce sujet de la bise. Mais il y avait une amie qui me disait que, une amie qui a vécu la Corée pendant quelques mois, elle a dit, ben, en fait, les Coréens par rapport à les Français, pour paraître un peu distants aux premiers abords, mais au final, dès qu'on devient ami, dès qu'on devient un peu plus proche, ben, en fait, les Coréens, ils sont plus tactiles. Surtout souvent de convivialité et l'ouverture des gens en Bretagne. Est-ce que vous avez déjà vécu dans un autre endroit que la Bretagne en France? Et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous appréciez particulièrement chez les Bretons? En fait, je suis en France depuis 6 ans et j'habitais vraiment en Bretagne depuis 6 ans. Du coup, en dehors de la Bretagne, je suis restée un mois à Paris pour réaliser un stage. Et sinon, ben, je peux pas dire que j'ai réellement vécu d'autres régions, d'autres villes, parce que je suis passée 2 3 jours, l'histoire de faire un peu de voyage, etc. Donc, je peux pas dire que j'ai fait vraiment la voyage. Mais du coup, ce que je trouve vraiment convivial chez les Bretons, c'est que peut-être j'ai la chance d'avoir rencontré presque que des bonnes personnes. Mais en fait, des fois, quand je vais dans un magasin, dans une boutique pour acheter des crêpes, ben, le vendeur, le monsieur, en fait, il est tellement gentil avec moi. Genre, il me sourit comme ça. Oh, salut, bonjour, qu'est-ce que vous avez besoin, machin. Mais ça, déjà, je suis étonnée parce que pourquoi vous êtes si gentil avec moi? Déjà, pourquoi vous êtes si souriant avec moi? Parce que quand j'ai vécu à Paris pendant un mois, ben, les gens, ils ont été super stressés comme en Corée, quoi. Ben, si tu vas dans un magasin et que tu attends le queue pour à la caisse,
ben les gens ils commencent à râler genre ah mais tu peux pas faire un peu plus vite, on attend depuis 10 minutes là. Mais en Bretagne j'ai jamais vu sur scène. Même en plus, je vais être, tous les samedis je vais au marché du matin et les gens en fait ils attendent vraiment jusqu'à en parlant entre eux.